Sorti en 2020, Le Voyage du Docteur Doolittle est diffusé ce dimanche 1er janvier 2022 à 21h10 sur M6. L'occasion de se replonger dans les aventures de l'excentrique docteur. John Doolittle, interprété Robert Downey Jr. qui a eu un tournage particulièrement compliqué. On vous explique pourquoi. La star d'Iron Man, Robert Downey Jr. se transforme en Docteur John Doolittle et lui redonne vie dans Le Voyage du Docteur Doolittle, diffusé ce dimanche 1er janvier 2022 à 21h10 sur M6. Si les effets visuels du long métrage sont remarquables, l'histoire de ce médecin qui peut communiquer avec les animaux, inventée en 1920 par le romancier Hugh Lofting, a déjà été adaptée au cinéma. La version la plus marquante et qui a connu un immense succès est celle de 1998, avec Eddie Murphy dans le rôle principal. Dans la nouvelle version, Robert Downey Jr. qui a récemment révélé avoir pris de la drogue à l'âge de 6 ans, reprend le rôle du scientifique. Le choix de Robert Downey Jr. pour le réalisateur Stephen Gagan, qui avait pour objectif d'engager Robert Downey Jr. après qu'il avait quitté l'univers Marvel, leur première rencontre a confirmé son choix. L'acteur lui a en effet demandé quelle décision avait été prise concernant le film, ce à quoi le réalisateur avait répondu, « On voudrait te confier le rôle principal et tout le reste est totalement ouvert. » Avant de déclarer, « Si est un vrai collaborateur de création et il est totalement partie prenante dans la fabrication du film. » C'était une décision fondamentale mais c'était la bonne. Un défi particulier alors que dans le film le Docteur Doolittle est gallois, interpréter le personnage en lui donnant le bon accent a été un défi de taille pour Robert Downey Jr. Il confiera à la sortie du film, « Il se trouve que si est l'accent le plus difficile du monde et ça m'a rendu fou. » Et de continuer, ça devrait au moins faire l'affaire pour le film. Le gallois est proche d'une langue d'origine gaélique et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Michael Sheen, Dr Blair Mudfly, note de la rédaction, m'a beaucoup soutenu et donné quelques conseils. Il m'a parlé de discussions qu'il avait avec son père si bien que je l'aille enregistré et j'ai aussi fait appel à un coach gallois. Pour l'aider, Robert Downey Jr. a ainsi reçu l'aide du répétiteur Andrew Jack et du consultant gallois Tim Treloar. Un pari réussi. À lire aussi Le Voyage du Docteur Doolittle, Canal+, comment ont été créés les effets visuels du film ?